Un enfant que on n'a pas géré, il a trop souffert dans l'enfant. Son père Exactement. tapait sa mère. Il a Exactement. avoué, ce n'est pas moi, je ne viens pas faire des clashs pour salir les gens. J'ai dit ce que lui-même nous a dit ici. Sa mère tapait, son père tapait, il bastonnait sa mère. On l'a forcé Il a à dit être ça, témoin de il a même dit Jéhovah. ça l'autre jour, il a même dit encore ça l'autre jour. Quand le fils Voilà. Morgué est monté dans son Voilà, bureau, c'est il a vrai. dit ça. C'est vrai. Il a dit ça. Donc c'est pour ça que la frustration, là, il vient verser ça sur Facebook, il faut le comprendre. Viens alors voir les étangs de la honte. Il y a son Viens nom. alors les voir. Maintenant, je vous Il y a porte son nom. ici, Hora. Vous Il y n'allez a son rien me nom. faire. Viens Il y voir a celui qu'on appelle le son pasteur. nom. Oui ou Pasteur non? Minban. Hein? C'est Pasteur. Pépinette. C'est Pépinette. Voilà comment Micheline Pompé, hein, de le poum poum ressemble. À quoi ressemble? Fais les captures, c'est comme ça qu'on veut l'appeler. Comment ça? Peggy le cochonnet. Pédi la cochonne. Voilà Ndolem Poum Poum. Voilà comment elle ressemble. Pédi la cochonne. C'est son vrai nom maintenant. Je n'entends pas que vous appelez Pédi la cochonne. Ça serait son nom maintenant. Le péteur. Toi alors, tu es un écran de la honte. Tu es un écran que tu devrais te cacher. Tu sais qu'en vrai, depuis que tu as laissé le monsieur-là, qu'il est devenu perdu comme ça. Quand quelqu'un insulte les femmes, tu veux quoi? Depuis Quelqu'un que insulte tu les as laissé le monsieur-là, qu'il est devenu perdu. insulte les parties intimes des femmes alors qu'il est sorti par là. Tu veux que qu'est-ce qui lui arrive? Il est devenu le Tinda de Lolo, la honte. Je te On l'a Pourtant, quand il est encerclé ici, là, je ne vois pas Lolo sortir. Lolo ne sort jamais lorsque ce pasteur de tête-tête, il est encerclé. Lolo ne sort pas. Michel, Lolo ne sort jamais. Jamais ce pasteur de tête-tête-là, ce pasteur de la honte. Ce pasteur de la honte, lorsqu'il est encerclé ici, là, je ne vois pas Lolo sortir. Lolo ne sort pas. Tendre. La seule personne qu'on doit pardonner ici, c'est, on appelle ça, c'est Essola. Essola dit que ma pépé l'a envoyé, va clasher, insulter. C'est pour cela qu'elle a demandé pardon, parce qu'elle a insulté la mère de Flore. Et Mbopia dit que jamais elle ne demande pas pardon. Donc là, vous Attends, voyez là. attends, ma pépé a envoyé qui celle qui a l'espèce en désordre là, Oui. celle qui a le corps en désordre là, celle qui a le visage comme si on avait donné des coups de poing qu'on appelle franchement, et tâche-toi. Toi là, tu dis que ça marie, ça va chez toi. Le gars là est là pour les papiers. De le des asticots. Le gars là est là pour les papiers. Le jour que le gars là va avoir ses kaolos, il va partir. Tu as compris? Non, tu ne le mérites pas. Tu n'es pas une femme de ça. Regarde ta cuisine. Quand tu dis que tu cuisines, regarde tes marmites. Tu connais le vrai savoir que moi je connais. Tu dis que tu es Ndolo quoi? Les vrais sawa que moi je connais, le sawa chez l'os, quand tu arrives chez un sawa, tu manges par terre. Quand tu arrives chez un sawa, même si le sawa habite, même si le sawa habite à côté des toilettes, tu vas manger par terre. Parce que à côté des toilettes, là, tu ne vas même pas sentir les odeurs. Elle dit qu'elle préparait l'haricot dans la mamie sale parce qu'elle n'était pas prête. Regarde ta gazinière, tu nettoies ta gazinière à quelle heure? Ta gazinière, ça fait combien d'années que tu n'as pas nettoyé sa main?
C'est dans les peuples, Michel Franconnet un peu. Quand tu l'as senti, ne bouge pas. Ça va. Bonsoir Sandra Rose, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Michel. Moi, je veux m'adresser à Kendo. J'ai dit, elle sort tellement de la morgue là sur la vidéo là, ma. Je te tacle au dessus depuis ta position. J'ai dit, vous avez vu ce que j'ai vu là. Parce que j'ai déjà nettoyé ma caméra ici. J'ai nettoyé. J'ai pris même le gel hydro, machin là. J'ai pulvérisé sur mon écran. J'ai pris le coton, j'ai nettoyé. Ça n'a pas changé. C'est pour ça que je suis mort. Vas-y. Bonsoir à tout le monde, toute la toile camerounaise. Appelez-moi, comment elle s'appelle là déjà, là j'ai oublié son nom là. C'est ma fabrication. La fabrication de mon épouse. Appelez-moi, comment tu l'appelles là? Chinda. Non, comment elle s'appelle, comment tu l'as appelée? J'appelle Chinda. Non mais c'est ma Chinda moi. La Chinda de Nancy là. Chinda. Appelez-moi la Chinda de Nancy là. Parce que là, ça m'agace. Je vous ai dit et je vous répète que lorsqu'on s'attaque à ma femme, d'ailleurs, elle poste sur le mur de Peggy la cochonne, hein, parce que Peggy la cochonne qui s'attaque. Alors, excusez-moi, je vais glisser un tout petit peu sur le sujet. Hein, quand j'entends Peggy la cochonne qui s'attaque à des femmes respectables, excusez-moi Peggy la cochonne, mais quand je vous regarde, vous valez pas mieux. Hein. Alors, moi, excusez-moi, là, j'interviens dans le direct parce que ça ne fait que la deuxième fois que j'interviens pour répondre à des femmes. Mais là, ça m'agace. Comme je vous ai dit et comme je vous le répète, quand on s'attaque à ma femme, on s'attaque à moi. Donc, quand on traite ma femme de Cathy Cato, là, de tous les noms, etc., etc. Mais Madame La Roupéro, là. Madame La Roupéro, mais regardez-vous. Regardez-vous, moi, quand je regarde votre tronche, mais j'ai envie de me cacher. Hein, je serai à votre place, je me mettrai un sac poubelle sur la tête. Il faut qu'il amène son mari. Hein, emmenez d'abord votre mari, puis on causera avec, d'accord? Parce que vous traitez ma femme de tous les noms, mais au moins, moi, ma femme, je l'assume et je l'aime telle qu'elle est. D'accord? Moi, ma femme, elle a un corps de rêve. Hein? Tiens. Bien répond. Allô? Excusez-moi, c'était une publicité. Donc, je reviens. Ma femme, elle a un corps de rêve, mais je l'ai aimée telle qu'elle était. Et nous sommes l'un avec l'autre. Si vous n'avez pas compris ça, donc je vais d'abord glisser un tout petit peu. Hein. Madame La Roupéro, je vous associe à Bouche de Chiotte. Vous êtes exactement pareil. Tant que vous avez votre bouche, c'est du caca. C'est la même chose. C'est exactement pareil. Mais vous avez oublié quoi? C'est ma femme qui vous a fabriqué. Donc arrêtez vos conneries. Faut un petit peu arrêter, non? Elle dit ceci, que tu es parti. Oui, voilà, je suis parti en Côte d'Azur. Et que je meurs de froid. Alors, tu parles avec qui, là? Non, mais voilà, et en ce moment, je parle avec qui, là? Aujourd'hui, j'ai emmené ma femme en Côte d'Azur. C'est ça, l'amour. L'amour, c'est pas que le sexe. L'amour, il n'y a pas que ça dans l'amour. L'amour, c'est un tout, c'est un partage. Quand on est amoureux, madame, je vais vous apprendre quelque chose, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est que l'amour, quand on est un couple, un vrai couple, qu'on assume sa femme et que sa femme assume son homme, c'est aussi des concessions. C'est-à-dire que c'est qu'on regarde ce que fait l'autre, monsieur, et on est obligé d'aller vers l'autre. Donc, quand vous parlez de frustration, madame, excusez-moi parce que je ne peux pas vous tutoyer, parce que je ne peux que vous voyez, mais quand je vois vos yeux, là, il y en a un qui est à Brest et l'autre à Marseille, non mais excusez-moi quoi. Donc vous osez insulter, et là je vais glisser sur Peggy la cochonne, hein, lorsqu'elle insulte la maman de Dolomonema, et quand elle insulte Dolomonema, mais excusez-moi Peggy la cochonne, mais regardez-vous madame, non mais attendez, vous insultez les femmes, vous insultez, et vous c'est pareil là, Roupéro, là, quand vous insultez Dolomonema, quand vous insultez tout le monde, mais regardez-vous madame, vous savez, avant de regarder les autres, mon père me disait, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qui est dans le tien. Donc, madame, je vous engage à enlever la poutre qui est dans votre œil, parce que vous êtes très loin d'un prix de beauté. Je vais vous dire franchement, madame, si j'avais à choisir, je préférerais encore aller baiser une chèvre. Parce que quand je vous vois,
Eh ben, excusez-moi, mais là-dessus, il va peut-être pouvoir faire un direct là-dessus, là, l'autre bouche de chiotte. Mais là, effectivement, moi, quand je vous regarde, ça ne me donne pas envie de bander. Hein. Excusez-moi, hein. Là, ça me coupe l'envie, hein. Ça, c'est clair. Avec votre nine, comme des trous de balle, là. Hein? Non, mais attendez. Vous dites tout et n'importe quoi. Attends, je vais expliquer aux internautes. Marou Perro, tu as eu la chance aujourd'hui que quand j'ai écouté ta vidéo, mon mari a écouté comme tu as dit ceci, qu'il m'a abandonné et qu'il est en Côte d'Azur et moi je crève de froid. Alors il te fait comprendre que on est ensemble, que rien ne peut nous séparer. Rien. C'est elle et moi. J'ai dit rien. Je ne suis pas toi. Donc, il veut que tu amènes ton mari et que tu amènes ton mari comme ça et ils vont se chamailler entre hommes. Tu comprends, non? Ils vont se faire ça entre hommes. Non, puis avant de critiquer les autres, faut d'abord balayer devant sa cour, hein. Parce que, comme je vous ai dit, et je vous le répète, madame, excusez-moi encore de vous rafraîchir à la mémoire, mais vous êtes très loin d'être un prix de beauté, hein. Et Peggy la cochonne, c'est encore pire, hein. Petit la cochonne, c'est Ndolo Mitumba. Ndolo Mitumba, voilà. Mon mari a sorti la photo. Voilà à quoi tu ressembles. Peggy la cochonne, c'est ton nom maintenant. Regarde bien la photo là. C'est ton nom, Peggy la cochonne. Ça veut dire que quand je veux prendre la photo aussi et je veux mettre ça à chaque fois que je veux te répondre, Ndolo Mitumba, toi qui as la graisse là. Tu dis que les cheveux jaunes ne me va pas, mais on voit. Toi, tu mets que le noir. Regarde-vous. Regarde. Tu es grosse comme la Rupert, celle que j'ai fabriquée de 1900 Kalakala. Elle dit que j'étais quoi, momie? Je n'avais pas mis la lumière. Mais on m'a vu. On m'a vu. Quand vous coupez les vidéos, on sait que la femme du 15 est là. C'est ça. Qui peut t'assumer, toi? et si ma femme fait des directs c'est uniquement parce qu'elle a envie de parler elle ne cherche pas la starmania parce que elle au moins elle travaille sortez vos bulletins de salaire madame la Roupéro Voilà. et on en parle d'accord moi ma femme ne cherche pas la starmania elle a un bulletin de salaire et aujourd'hui si je sors et là c'est le deuxième dérapage que je vais faire je suis un petit peu comme monsieur Messin qui défend sa femme c'est-à-dire que moi je ne sors que pour défendre ma femme. D'ailleurs, je salue d'abord le couple Messin à qui j'ai beaucoup d'affection et beaucoup de respect. C'est le deuxième glissade que je vais faire. Mais lorsque je sors, c'est pour défendre ma femme qu'on attaque. Et là, vous avez attaqué ma femme. Et quand on attaque quelqu'un, on est mieux qu'elle. Et quand je vous regarde, madame, excusez-moi, mais vous êtes loin d'être, comme je vous dis et je vous rappelle, vous êtes loin d'un prix de beauté, madame. Donc regardez-vous avant de regarder le ventre des autres. C'est tout ce que j'ai à vous dire, madame. Mais c'est bien. Tu dis que moi je suis, comment on appelle ça, que je suis, je suis la momie. La momie. Mais voilà, on t'a donné ta description, comment tu es. Tu comprends, non? Tu as vu, Ndolo Miranda, voilà ta photo qui est là. Peggy la cochonne, tellement que tu es gros. Gros que même un homme ne peut pas t'assumer. Ah non. Aucun. Avant de critiquer les autres, regardez-vous, hein. Aucun ne peut pas t'assumer. De l'homme, il y en a. Je vous laisse écouter. C'est ce qu'on voulait parler là-dedans. Le niveau de parents, c'est pour que la momie de femme. Je dis, il y a des gens qui laissent ton jardin après qu'on t'achète des bonnes crèmes. Écoute-moi bien. Voilà, là, il n'y a pas de filtre. Hein? Regarde, là où je suis, là. Il n'y a pas de filtre. Pas de filtre. Pas de fruits et j'assume ma peau. Et Voilà. tu n'as pas vu là, les rides nulle part. C'est ça. Plus belle que moi. Tu meurs. Aïe. J'ai Hein? dit, regarde, mets ta tête comme ça. Voilà. Voilà ma tête. Mets comme ça. Vous deux, la toi et de le million d'or, mettez votre tête, je Voilà. vois. À quoi vous ressemblez? Hey, Peggy la cochonne, vous dites que vous avez nettoyé votre écran là, avec du gel, le machin, truc, puis vous voyez toujours les cathos. Peut-être, mais nous on a eu beau nettoyer notre écran, mais on voit toujours votre double menton, hein, madame, hein, hein votre tas de graisse là. À mon avis, quand votre homme vous fait l'amour, il a l'impression de faire l'amour à un tas de margarine, hein. Bon, mais alors. Donc avant de vous mêler, excusez-moi, je vais encore dire un gros mot, pardon d'avance, je voudrais pas que ça coupe le direct de ma chérie, mais avant de regarder le cul des autres, regardez votre cul, madame. Ah, de la Miranda. Ah, voilà, tu t'appelles Peggy, la cochonne.
Peggy, regarde à quoi tu ressembles. Hein? Les gros yeux, laide comme tout. Laide. Et c'est toi qui viens me dire que je suis momie. Maman, il faut, je t'ai dit que mettez-vous debout, toi et Maru Perro, mettez-vous debout. Et on parle. Et on va parler. Moi, je n'ai pas le ventre. Hein. Je vous ai lancé le défi. Quand tu dis que mon mari, ça m'a dit qu'il te répond pour te dire que tu n'as rien dans la tête. Il m'a laissé, qui part où? Hein? Là, voici qui parle, non? Là, voici qui te répond, qui te dit que ce qui sort de ta bouche, c'est que la merde. Hein? La merde, m'y saoule. M'y saoule. C'est Madame Boule de Chiotte. Hein? Madame Boule de Chiotte. Madame Boule de Chiotte, tu veux pas parler avec Nancy? Maman, on m'assume, dis à ton mari de sortir. Dis à ton vieux machin là de sortir et venir te parler. Elle va remplacer Dexter quand il n'est pas là. Ouais. C'est toi qui remplaces Dexter. Quand Dexter n'est pas là, Dexter est fatigué, c'est toi qui remplaces Dexter. C'est ça. Vous venez attaquer les gens, vous ne savez pas que ouais. Moi, je me fatigue pas. Hein. Je me fatigue pas. Tu as dit dans ta vidéo, dans la vidéo, que je ne dors pas. Demain, je dors avec lui. On s'en fait les courses. Et je vais préparer pour son entreprise. Je prépare pour son entreprise demain. Tu vois, non? Donc, je ne suis pas toi. Moi et toi, là, on me... Si elle dit que c'est le jour et la nuit. Même si tu fais le jang sans maman, tu serais toujours moche. L'aide à chier. Produit pour leur peau. J'ai dit, si on a seulement le firi, t'as dit le charbon, on appelle ça chez nous firi. C'est comme si on a seulement d'où le charbon sur le visage de Kento. Ma Kento, tu t'aimes. Tu as perdu au moins ces mêmes 10 kilos. La fille adore la nuit. Vous n'avez pas vu qu'elle a perdu du poids. Ma chérie, comment on dit encore la bébé? J'ai la peau de ma mère. J'ai les gènes. Tu as vu mon fils? Est-ce que tu as vu mon fils? Personne de ma famille en gros blanc. Personne. Comme tu dis que j'ai perdu le poids là, j'ai les gènes de ma mère. Ma mère était mannequin. Hein? Les gens là, sur la toile qui connaissent ma mère. Ma mère était mannequin. C'est-à-dire que quand ma mère se plaçait comme ça là, ma mère, tu ne peux pas dire, ma mère n'avait jamais pris un gramme. Tu as compris? Un gramme. Tu dis que j'ai maigri. Maman, je suis entrée en France, j'avais 65 kilos, je suis à 70. Je n'ai même pas pris un gramme. Tu crois que manger là, tes conneries que tu manges là, je ne mange pas la merde, maman. Je ne mange pas la merde. Sors ton bulletin de salaire. Tu travailles où? Tu n'as pas honte. Maintenant, tu vas lécher le niaire de Ngossa. Maman. Pourquoi comme ça, ma soeur? Que quoi? Elle a maigri, elle fait d'homme. Elle ne dorme pas. Vous venez le direct. Elle dit seulement que Frampo Ngossa. Toi-même, dans mon direct, tu me disais de Frampo Ngossa. C'est chez toi que j'ai pris ça. C'est chez toi, quand tu verrais sur mon direct aussi, tu disais que non, la mère, on ne cherche pas une autre personne, on reste sur Ngossa. C'est toi-même qui me disais ça, non? C'est moi-même qui t'a fabriqué. Si c'est grâce à moi qu'aujourd'hui tu ouvres ta bouche, tu étais dans le noir. Est-ce que tu m'as vu depuis que je suis sur Facebook aller dans le noir? C'est toi qui es dans le noir. C'est ça qui est ça. C'est toi qui es dans le noir. Tu comprends? C'est toi qui es dans le noir. Et regarde-moi, mon âge, quand tu vas entendre mon âge, tu n'aurais plus les dents. Regarde. Moi, entre moi et Ngossa et ta patronne, je n'ai pas le dentier. Invite-toi d'abord. Et là, mon chat, autre chose, elle dit, une maman, Kento, tu as fêté tes 52 ans il y a 2 ou 3 jours. Maman, tu as fini l'hiver. Et d'abord... Attends, écoute ce qu'elle dit. Tu formais le chiffre 4 sur ton lit. Le Jacques, il a fait froid l'hiver dernier, jusqu'à maintenant, depuis que ton mari est parti, sa Côte d'Azur. Mamie, le froid va te tuer, le temps va te tuer. Tu es de direct en direct comme un mauvais esprit. Et voilà mon mari qui te répond. Et déjà d'une, Madame Laroupero, il faudra peut-être retourner à l'école, apprendre à compter. Et regardez les directs encore de mon épouse, parce que c'est pas 52 ans qu'elle a, c'est 51 ans. Donc soit faut se faire nettoyer les oreilles, ou soit faut faire quelque chose, madame. Hein.
C'est quand je vous dis, vous êtes Madame Bouche de Chiotte. Vous vous dites que des conneries, vous dites que du caca. Et aujourd'hui, ma chérie et moi-même, nous sommes tous les deux en Côte d'Azur. Et je peux vous garantir que le matin, eh ben, je suis bien fatigué parce que ben, le lit, il ne sert pas qu'à dormir. Hein, je peux vous le dire. Hein? Alors que toi, tu n'arrives même pas à montrer ton mari. Ton mari que tu as dit que tu t'es marié comme un cadavre. Ouais. Hein? 52. Maman, 52 ans, je suis bien conservée. À première côté, c'est 51. Voilà, même chérie, même 52 ans, je suis bien conservée. Ouais, quand on te regarde, mets-toi debout. Hein? Mets-toi debout. Monica Diaz t'a mis là-bas, là, tu ne peux pas aller ouvrir ta bouche là-bas. Tu veux que je te fabrique, je ne peux plus. Le robinet est fermé. Comme je te réponds là, j'ai lancé le challenge. Le challenge, c'est de te mettre debout, un pied comme ça. Tu vois comment est soulevé mon pied, non? Regarde mon pied, voilà mon genou ici. Tu te mets comme ça, sans toucher quelque chose, debout pendant 30 minutes. C'est ça. Et tu te mets debout. Et Madame Laroupéro, là, quand vous faites votre direct, on voit que vos narines. Hein? on voit que juste que vos narines, c'est tout ce que vous avez à montrer. C'est parce que le restaurant est trop moche. Hein? Avec une dent tous les 6 mètres, là. Moi, ma femme, elle n'a pas honte de s'afficher en entier, d'accord? Peut-être elle a des cantons, mais au moins elle a un corps de rêve. Et puis, je peux vous garantir que, comme je vous ai dit, eh ben, le lit, il n'est pas fait que pour dormir. Ah, maman, tu vois là, mon gars, je prouve encore, depuis que tu dis que mon mari est parti, le voilà qui parle. Je suis en Côte d'Azur avec lui. Je suis en Côte d'Azur avec lui. Tu racontes que les bobards qui t'assument. Toi, vous avez vos beaux corps. Hein? Hein? Comme dit Monsieur Meusson, ça, c'est ma mort. Ça, c'est ma mort, ça. Ça, c'est ma mort, ça. Toi, tu viens te mettre ici, tu dis que oh, ton mari est parti. Là, voilà qui te répond. Là, voilà, parce qu'il n'aime pas quand on dit que je suis, il est parti. Il n'est pas parti nulle part parce qu'il voit que vous racontez que les mensonges. Est-ce que ton mari peut t'assumer? Rupero, la chose que j'ai fabriquée là, maman, c'est toi qui se pavane. Tu te pavanes, tu m'avais vu dans quel direct? C'est le direct de Ndolo Moulema, c'est normal, c'est ma soeur. J'entre là-bas. Oui, oui, oui. Quand on fait un direct et que je suis disponible, j'entre. Ou bien je reste là, je regarde les commentaires. C'est normal. Qui peut t'assumer? Qui peut t'assumer? Hein? Celle-ci qui a le double menton de l'homme million de là. Et elle peut se mettre debout. Elle peut se mettre debout. Maman, les kilos sont là finis. De l'homme million de là. Regarde à quoi tu ressembles. Voilà ta photo. Je vais mettre ça. Tu vois ça là? Je vais prendre ça là. Et ton cou là, et je veux mettre, je veux dire que hein. Et puis je vais écrire là, ton nouveau nom en bas. Je vais écrire ton nouveau nom. Et la Rupert là, ton mari là, je dois mettre ton mari sur Facebook. Parce que tu parles de mon mari trop. On dirait que tu es en train de fantasmer sur lui. Tu parles de mon mari, je veux mettre, j'ai trouvé tes photos sur TikTok. Je veux prendre tes photos où tu filmais ton mari à la cuisine là. Où il était en train de danser un chien comme ça là. Je veux mettre ton mari. Ah, de toute façon, vous avez aucune chance avec moi. Hein. Ah, vous avez aucune chance. Hein. Donc, c'est pour te faire comprendre que tu n'es zéro, rien, que dalle. Tu veux rester mon Tinder? Tu ressembles à une momie d'Égypte sortie des pyramides. Oui, bah alors. Alors, le monsieur te dit que ben, la momie, ben, il l'aime telle qu'elle est. Et puis, ben, tous les soirs, elle monte sur ma pyramide. Oui, tous les soirs, elle monte sur ma pyramide. Oui, madame. Hein? On niaise correctement et bien. Est-ce que toi, tu peux niaiser? C'est parce que tu es fusqué. Tu es fusqué. Regarde, tu montes sur un direct. Les hommes parlent d'autres personnes. Toi, tu montes parce que tu veux venir parler de Nancy. Tu es serré mon esclave. Je dis que dans tous les directs que tu vas entrer, tu dois parler de moi. Je dis que la qualité, quand tu parles de moi là-bas, les gens viennent chercher qui est Nancy Kento. Ah oui, oui. Tout le monde vient chercher qui est Nancy Kento. Moi, j'ai à rouler. Maman, les gens qui... Tu la mets, où sont tes enfants, ma? Tes enfants sont où? Tu ne peux pas aller d'abord faire les enfants à ton mari avant de venir me parler.
Hein? Tu viens de te marier. Tu n'as même pas encore le papier. Hein? Va faire les enfants à ton mari. On voit. Non. Juste deux minutes. Par rapport au pipi, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai envie de glisser. Ouais. Allez, laisse-moi glisser, s'il te plaît. Vas-y. Je me permets de glisser aussi juste deux minutes. Donc, emmène ton téléphone à juste deux minutes. Ah, là-bas, on attend que t'envoies. Là-bas, il fait. C'est pour ça qu'elle dit que, comme hier, j'ai été là-bas et qu'il n'y avait pas la lumière, elle dit que j'étais momie. Parle. Parle, on veut t'attendre. Parce que je me suis permis de télécharger, d'ailleurs, je vous engage à télécharger sur Internet le bruit d'un homme qui fait pipi debout. Et j'ai écouté, et loin de moi l'idée de clasher qui que ce soit, mais quand j'entends le bruit d'un homme qui fait pipi debout, et quand j'entends l'enregistrement qu'a fait la personne que je ne citerai pas, le nom, parce que ma tempête, parce que ce n'est pas mon dossier, oui. Mais je me pose quand même de sérieuses questions quant à sa féminité, parce que quand j'entends un homme qui fait pipi debout et quand j'entends son enregistrement, je me dis c'est pas possible, elle a subi une opération de chirurgie pour faire pipi comme ça, c'est pas possible autrement. Donc c'était la seule chose que je voulais faire. Pardon, il faut qu'on le conseille d'enlever les cheveux jaunes là, pardon. Moi, je t'ai dit, c'est quoi encore même le nom là? Piggy la cochonne. Piggy la cochonne, je t'ai dit d'aller perdre 100 kilos. C'est ça, aller faire un sonneur. Va perdre 100 kilos, va mettre le bypass, va couper l'estomac, tu perds les kilos. Allez faire un sonneur, ça va. Avant de venir me parler, c'est parce ça. Que toi là, tu ne peux même pas, tu regardes, Nancy, et tu as vu, je vous ai montré aujourd'hui là, ma première vidéo. Je vous ai montré aujourd'hui ma première vidéo là. Que il faudra que tu te mets droit et tu te mets, c'est ce qu'on appelle, tu me montres ton ventre. Oui. Voilà, maman a trois bâtiments, terriblement mariés. Voilà l'homme que vous dites qu'il est parti. Faites chauffer le mercure. Tu dis qu'il est, il est parti où? Je suis en Côte d'Azur, je suis en vacances, ma chérie, tu ne peux pas connaître ça. Oh, ton homme l'a dit à ton homme de te mettre en haut comme mon homme m'a en haut. Dis à ton homme de te mettre en haut comme il m'a en haut. Bella, tu vois qu'on va te faire finir mon mari, pardon. Bella, il fallait pas lui donner le nom du 15. Pardon, tu m'as tué. Oh, Bella, tu m'as tué. Il ne fallait pas lui donner le nom. Pardon, je vais faire mon poisson. Bisous spécial à la Roupéro. Tu lui fais le bisou, quoi. Elle va dormir en bavant, t'en suis ton bisou. C'est ça, non mais voilà, voilà ce que c'est qu'un couple, d'accord? Roupéro, la chose que j'ai fabriquée là, la montorchon, ma caniche, la Roupéro, ma caniche. Maman, regarde, quand tu entres dans un direct, maman, tu vois la différence entre moi et toi, toi tu me suis, moi je ne te suis pas. Et là, le direct, c'est là. C'est que je voulais écouter dedans. Où on a lavé Pasto. On me lave. On lave Ndolo Moulema. On lave la mère Ndolo Moulema. On lave tout le monde. C'est ça. Ça entre dans les archives. Oui, c'est toi qui veux dire ce que. Mais tu n'as même pas honte de le mien, non? Juste à ce que vous avez dit, pas pris vos familles. L'oncle est parti chez son mari. Elle dit que c'est le 15. Elle a baptisé le 15. L'oncle est parti chez ta mère. Je vais d'abord te dire quelque chose. Voilà le monsieur. C'est Bellin qui avait surnommé mon mari le 15. Ouais. Moi, je n'ai pas mis mon mari sur les réseaux sociaux. C'est Mbunga, balai de chiottes, qui a mené mon mari sur les réseaux sociaux. C'est la seule différence. C'est ça. Et moi, je n'ai pas cherché à ce qu'on m'appelle le 15. Moi, on m'a appelé le 15, j'ai pris. Point barre. Et si ça vous dérange, eh ben, allez voir ailleurs si j'y suis. D'accord? Et quand vous attaquez quelqu'un, c'est vous qui amenez la personne sur les réseaux sociaux. Mon mari n'a jamais, depuis que je fais les vidéos, il n'a jamais, si balai de chiottes ne verrait pas, bouche de chiottes là, ne verrait pas l'insulter, il n'allait pas venir sur les réseaux sociaux. Donc, quant à toi là, tu es ma fabrication, tu es mon torchon, tu es mon papier génie comme ta patronne. Tu es parti prendre ce que j'ai laissé. Tu vois, non?
J'ai laissé Nringa, j'ai torché comme ça, j'ai laissé. Toi, tu es parti prendre. Aujourd'hui, c'est toi qui torches le nire de Nringa. C'est ça qui est ça. Tu comprends? Donc, tu vas bon lécher les... Tu fais quoi? Non, dedans, n'est pas déjà. Ah, tu peux beau parler de Nringa. L'important, ce que je faisais en Nringa, tu ne peux pas faire. Tu veux beau aller envoyer les cartons des habits. Moi, j'envoyais les trucs neufs. Tu n'envoyais pas les choses. De chez Emmaüs. C'est Emmaüs, c'est qui ça? Ah putain, la page d'huile. Va, c'est super. L'huile, ton oui. Friture. Mm-hmm. Deux. Oui. Ouais, c'est super, pardon. Je veux faire ça. Et je vais te repasser. Tu veux repasser qui? Voilà tes soeurs. Non, non, non. La mère, là, elle m'a cherché la Stamani. Elle va trouver ce qu'elle cherche, non? Elle est venue nous trouver dans Fuma Fuma, là, non? La lionne finit avec elle. Elle va trouver ce qu'elle est venue chercher. Elle va trouver ça. La dame. Elle a dit l'autre jour qu'elle a 62 ans quand elle voulait fouiller la lionne. Elle a dit qu'elle a 62 ans. Parce qu'elle a le même âge. Ma mère, moi, ma mère, je l'ai bloquée quand j'ai su que j'entrais dans votre méta du Japapsi. J'ai bloqué ma mère. Ma mère m'appelle l'autre. J'ai dit que j'entends que tu es star. Tu es star de quel côté sur le monde? Je lui ai dit que reste seulement là où tu es là-bas. Ne viens pas. Vous êtes le 15. C'est la mère, la ça ne chauffe pas. Elle tape sa poitrine. Elle dit qu'elle va devenir aussi petite fille comme la lionne. Elle va dire que l'acheter. Maman de 62 ans d'âge avec le rouge à lèvres multicolore, ou c'est violet, ou c'est rose, ou c'est beige, ou c'est quoi, ma mise à pardon. Je peux déjà te framponner, tu es la blogueuse. Donc je peux déjà te framponner la mère. Donc, mais oui, moi-même je vais la framponner. Moi-même je vais la framponner tout de suite, même pas demain. Donc, maman. Tu es la collègue. Donc on peut te framponner. Mais oui. Le rouge à lèvres. Que tu mets là sur tes lèvres, là c'est moche la mère. Regarde-moi, on sent quelqu'un qui ne connaît pas les rouges à lèvres. Ça sur ton visage, mamie. Donc, comment t'as dit là, ta fille est partie te dire que mets ta paye, il y a des étoiles. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Elle ne prend pas votre part, Adama. Comment on a dit qu'elle et sa fille travaillent ensemble? Et l'autre walk là, actuellement, comme il y a les Jeux Olympiques, Paris est devenu trop ninja. Yeah. Pour la région parisienne voilà. Chaud. Donc, il ne peut pas aller ailleurs. Donc, tout, il doit seulement que chercher l'agent sur Meta. Le complément de revenus, on dit quoi? Mais c'est ça. Tu sais qu'elle travaille avec sa mater, elle travaille avec la mater. On a dit qu'elle travaille avec sa mater. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Facebook. C'est et aujourd'hui, elle est venue nous confirmer que sa fille et elle travaillent ensemble. Parce que, laisse un peu, je frappe. Je dis, hein, madame, on dit chez nous que quand on regarde l'enfant, on voit sa mère. Je comprends pourquoi quand on regarde ta fille, on te voit. Déjà, ressemblance, photocopie, confort, c'est ton moula. Là, on n'a pas changé. Mais tu ne vois pas que les deux se ressemblent d'abord, ma. Mais ce que je sais, tu as dit, comme elle n'a pas changé dans à l'hôpital, qu'elle ne s'inquiète pas pour le côté-là. Comme elle dit que c'est sa prunelle de l'œil, là. Mais, moi, madame, vous venez, je ne dis même pas vous. Non, Ndolemi, moi-même, je vais te clasher. Tu n'as pas venu dire madame ou à dire madame, vous. Elle est dans la boue. Parler aux gens que et sur la c'est ta prunelle de l'œil là. Et tu insultes l'enfant d'une autre femme que tu appelles la femme d'une autre femme que Bunkena. Oui. Hein, madame, si tu as été colonel à l'époque d'Aïdjo, sache que Aïdjo est mort. Et il y a pas bien, il y a eu les généraux, les colonels, les tout après ton grade là, il y en a. Donc ce que tu viens
venu faire là, que tu es venu te dire que tu as fait l'armée là. Maman, les anciens combattants ne les payent même pas 30 000 francs au Cameroun. On a compris pourquoi tu es venu en bain. Jusqu'à ce que même le petit là que ton mari, que tu as Kilam là, t'a laissé. Parce que tu as dit que ton mari est dans, il t'a laissé les dos. Mais ça n'a pas suffi, tu es quand même allé vendre le pépé. Parce que ici, là, il n'y a plus le respect, madame. Attends, Ndolem Yondo, attends un peu. Le blanc est décédé, le blanc a laissé l'argent. Et pourquoi il tombe le pépé? Parce que quand le blanc d'ailleurs, il te laisse les assurances vie. Ça veut dire que tu as un compte en banque qui est solide. Ça veut dire que sa fille même ne va pas habiter dans un logement d'appartement. Vous avez déjà vu l'appartement de Sola. L'appartement, je me demande si vraiment son mari est Sawa. Parce que le genre que l'appartement là est d'une saleté. Adam, l'appartement là donne envie de vomir. Et cela, si j'arrive chez toi, je ne peux même pas aller aux toilettes. Je ne peux même pas manger ta nourriture parce que ça ne ressemble à rien. À rien. Tu ne te laves pas d'abord. Tu passes 2, 3, 4 jours sans laver tes grosses fesses là. Après, tu vas venir t'asseoir, tu vas parler à compresseur, tu vas crier sur compresseur. Comme Nyako, on me dit qu'on est bien. Pour l'homme, dites mon ami, Nyako, on me dit, mais cela, on est gay. On va te traiter, ton faux corps, on va traiter ton faux corps. Une maman comme toi, tu peux pas dire à ta fille de quitter sur Facebook. J'ai été... La honte de ma maman. Vas-y, Michel. J'étais choquée quand j'ai suivi la coupure où elle a dit qu'elle devait envoyer les commandos. Oui, les commandos. Voilà, sur l'avion. Sur l'avion et tout. Et j'ai été choquée parce que elle dit que elle a été dans l'armée, elle a formé les coups, elle a formé les généraux, elle a formé. Madame, vous avez déserté l'armée camerounaise, donc vous devez même vous cacher. Parce que elle veut vendre le piment en Bénin. Vous devez vous cacher parce que vous. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pas qu'elle veut. Attends, parce que vouloir, c'est que tu n'as pas encore fait. Dites parce que tout le pépé en ben. Parce que quand tu veux quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas encore eu la chose là. Ça veut dire que tu as encore des envies. J'ai envie de boire une bière, mais tu n'as pas encore bu la bière. Mais là, déjà le pépé avait sa fille. Donc ça veut dire que quand elles ont un cri, le cri prend la mère, le temps que le client est en train de. Mais l'enfant aussi en train de sucer. Voilà. Okay. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Michel, on continue. Elle dit qu'elle va envoyer les commandos. Madame, vous êtes déjà. Votre nom n'existe même plus sur les droits camerounais. Vous êtes aux oubliettes. Vous êtes une vieille peau qui a fui l'armée pour venir vendre le pépé d'après ce que Facebook nous a dit et continue de nous dire. Vous dites dans vos... Oui, allô? Tu as vu l'adresse que je t'ai envoyée? Oui, j'ai vu, maman. Oui, je te fais ça. Je voulais m'assurer que tu as vu l'adresse. Si, j'ai vu. Bonne soirée à toi. Ok, toi aussi, merci. Vous êtes allé vous appeler au renfort à une combattante de votre état, dont la lionne est aussi forte que ça. Et cela, donc quand toi tu étais dans le noir là, tu framponnais les gens, tu insultais les gens là, donc tu es poltron comme ça là. Jusqu'à tu as peur de la lionne, tu vas appeler ta mère.
Je framponne pas, c'est parce que je ne veux pas qu'elle soit là où elle est là. Moi, même tu m'as dit ça.
Voilà. Tu sais, Ndolem, je te dis. Tu ne la pardonnes pas parce que tu la détestes. Tu n'aimes pas seulement l'alliance qu'elle a fait là. Voilà. Parce que l'alliance, cela n'est pas bonne et ce n'est pas une vraie alliance. Tu veux ouvrir tes yeux. Je t'ai pas dit ça, non? Oui. N'est-ce pas? Ici, là, sur la toile, l'été cassé, même mon combattu. Parce que je vous dis toujours que dans la vie, là, il y a des paix qu'on ne fait pas. Compressor, je vais te parler ici, là, aujourd'hui, là. Je vais te dire que tout ce que tu as vu, j'étais en train de faire. Je ne faisais pas ça parce que ça me venait du fond du cœur. Non, ma soeur, j'étais toujours aimée. Tu sais que je suis Gaël Compressor depuis l'Astarac, depuis quand tu as commencé, tu étais au pays, tu avais la cigarette dans la bouche, quand tu avais fait ton direct, depuis le jour-là que je t'ai aimée, je t'aime jusqu'à aujourd'hui. L'amour là n'a jamais changé. La fausse fille Sawa qu'on appelle la rose africaine, elle m'a demandé que tu m'as donné quoi. Je vais te dire, la fausse fille qu'on appelle... Sandra, attends. Je vous le jure sur la vie de mes enfants. Sandra Rose m'avait dit ça sur Inbox. C'est depuis le jour-là que je n'ai plus jamais framponné Sandra Rose violemment. On rigole seulement. Parce que j'ai eu Sandra Rose sur Inbox. Elle m'a dit que ma soeur, je ne déteste pas Perpétue. Perpétue, c'est les alliances là où elle parle, qui m'énerve. J'ai envie de la... Que j'ai envie de la chicoter. Moi-même, souvent, je ressens ça. Souvent. Mais chacun a sa manière de réagir. Moi, souvent, quand elle fait ses colères, voilà, là, je la laisse. Mais Sandra Rose, par contre, ne laisse pas. Elle frappe seulement. Moi, souvent, il faut redemander, faire une autre demande. Soit tu redemandes. Moi, par exemple, quand ma pépé va déjà dans les endroits où je ne suis pas d'accord, je la laisse. Et chacun a sa manière de réagir. Mais Sandra Rose m'avait dit ça, quand Dolet est au téléphone. Dolet, ma pépé, je l'aime beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir. Souvent, je cotisais même dans ces cagnottes en cachette. Elle m'avait dit ça. En cachette. Et tu sais, Dolet Miondo, tu sais, moi j'aimais. Et tu sais, l'amour, hein, quand tu aimes quelqu'un, l'amour ne finit pas. Mmh. Il y a un amour qui est l'amour éternel. Mmh. Tu as compris, non? Et c'est cet amour éternel-là que j'ai avec Compressor. Tu as compris? Ce n'est pas que Compressor ne me donne pas à manger ou le souffle. Mais Compressor, c'est quelqu'un que j'ai aimé le premier jour qu'elle a lu. À l'époque, c'était les vidéos. On faisait des vidéos et puis tu postais. Et elle avait fait une vidéo. Elle était au Cameroun. Assis. Depuis le jour que j'ai aimé cette fille, depuis le jour-là, jusqu'à aujourd'hui-là, l'amour-là ne fait que grandir. Donc, les alliances qu'elle est partie faire, c'est les alliances-là que je n'ai jamais aimées et que j'étais contre ces alliances-là. Et au jour d'aujourd'hui, le temps, on dit que Facebook, c'est le temps. Et le temps nous a donné raison. Et vous avez vu depuis qu'elle a pris son chemin, voyez l'évolution de Compressor, hein. Parce qu'il y a les gens que, je vais vous dire la vérité aujourd'hui, là. Il y a les gens que si, il y a même pas les gens, hein, même en amitié ou en amour. Si tu te mets avec un homme, tu vas voir que ta vie va seulement devenir noire. Ça veut dire que l'homme-là n'est pas bien pour toi. Exactement. Si tu te mets avec une amie, tu vois que ta copine-là, ça devient noire. Ce n'est pas une bonne copine. Laisse cette amitié-là. Et vous avez vu, depuis que Compressor a pris son chemin, vous avez vu l'élévation de Dieu. Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé là, c'est parce que les gens n'ont pas envie de parler. Ils n'ont pas envie de parler. Ma pépé a repris sa place de 2014. Elle a entré dans Facebook. En quelques jours, oui. Elle a repris sa place car elle était encore Compressor. Elle a repris ça. Compressor, moi je t'ai connu, tu es une femme, tu n'as pas besoin des alliances de méta. Je connais ta force de frappe. Même quand on a fait la guerre de Hitler, Compressor, on t'appelait comme ça, là tu étais toujours debout. Tu n'avais jamais claqué en deux avions, jamais. Tu étais une petite femme solide. Et c'est ça que j'aimais en toi. C'est cette détermination-là que j'aime en toi. Parce que tu es une femme déterminée. Et depuis 4 ans que tu es partie faire des alliances à la con avec les démons, on n'associe pas son image avec tout le monde. Je te dis ça, ma soeur. On n'associe pas son image avec tout le monde. Il y a les gens qui sont là pour assombrir l'image des autres.
pour détruire l'image de l'autre. Parce que la personne avec qui tu es parti t'associer. Oui. Parce que toi, tu vois que tu peux t'associer avec quelqu'un avec un cœur. Tu ne sais pas si tu m'étonnes là. Ce que la personne a dans son ventre. Tu ne sais pas ce que la personne a dans son ventre. La personne va venir et puis la personne va te mettre l'habit noir sur la face. Vous savez ça? Qu'il y a les gens ici dehors, tu marches avec les gens là, la personne prend l'habit noir, la personne là te jette l'habit noir là dans la face, tu devines tout ce que tu fais, les gens vont seulement voir que c'est noir. Bonsoir ma pépé, bonsoir le diamant bleu, ta soeur est là, Sandra, ta soeur est là, maintenant tu peux reparler à quoi elle est là, on l'a appelée, elle est venue. Hey. Parce qu'on lui a dit que ta soeur te parle, elle est venue t'écouter, Sandra. Donc, voilà, moi, je veux que tu continues dans la lancée que tu es là maintenant et que tu mettes dans ta tête que tu n'as besoin de personne, aucune blogueuse sur Meta. La femme, la petite femme forte que moi j'ai toujours connue. Là, t'as la goût de ça, Adama, je suis assis par terre. Je ne veux plus voir les alliances où les gens vont venir noircir ton image. Je suis assis par terre. Parce que je peux te dire que pendant 4 ans de tes alliances à la con que tu es allé faire, les gens ont noirci ton image. Oui. Disons des vérités. Donc même quand j'étais souvent en train de te framponner, je ne te framponnais pas parce que je te détestais. Non. C'était une façon de te dire que ouvre les yeux. On ne peut pas appeler une patronne comme toi. Une patronne de team comme toi. Tout le monde te rabaissait déjà que tu es devenu général. Général. La femme que j'ai connue, tu pouvais être une générale. Elle est générale. Tu as toujours été le elle le a été moteur. Générale. Tu n'as jamais été la queue. Et aujourd'hui. Et c'est cette lancée-là que je veux que tu continues. Adjama. Plus jamais d'alliance avec X ou Y. Parce que les gens ne sont pas avec un cœur avec toi. Les gens ne t'aiment pas. Anna. Les gens ne t'aiment pas. Les seules personnes qui t'aiment, c'est ta tête cassée. Les seules personnes qui t'aiment, c'est ta tête cassée. Le reste, on a assis par terre. C'est l'amour éphémère. C'est l'amour. Mais Jules Dubois, l'amour sans condition. Jules Dubois, que tu vois là, c'est mon tonton, hein. Aïe. Il aime trop compresseur, Jules Dubois. Il peut mourir pour compresseur. Est-ce que tu sais qu'il était allé cotiser chez Rose Mimban? Cette femme sawa de la poubelle qu'on appelle Rose Mimban. Je sais. L'argent qu'elle avait dit qu'elle ne donne plus là, je me souviens. Une femme sawa de la honte. Parce que celle qu'on appelle Rose Mimban, franchement, moi je me demande quel genre de sawa elle est. Où elle est une sawa perdue? Où elle est une sawa mouton? Elle est même sawa mouton. Parce que, attention, je ne dirais même pas que Rose est sawa. Je pense qu'il faut aller revoir ses... Moi-même, je pense qu'elle est du gamin, vient du même côté. Oui. Non, disons-nous les vérités vivantes, hein. Tu sais, de la million de si moi je t'aime, tu me dis ma vérité, je vais l'assumer. C'est de ça qu'il s'agit. La terre est sale. Quand tu crois que t'en es pas sawa, moi-même j'assume. Les sans sawa qui parlent. C'est ma pépé qui parle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la rose africaine, c'est une sawa de la honte, de la malédiction. Tu devrais aller revoir d'où tu viens. Tu n'es pas une vraie sawa. C'est pour ça que je me pose des questions sur le mari de Sola. Est vraiment un gars sawa? Parce qu'un vrai sawa ne peut pas rester avec la poubelle qu'on appelle Sola. Mon frère en train de mal calculer ma place, Sandra. Mon frère en train de calculer. Quand Sola frappe sa main que je suis française. Le gars là, papa, dès que tu as tes 10 ans, laisse la poubelle de la honte qu'on appelle Sola. Une femme qui elle prépare, viens voir la marmite, elle n'a même pas lavé la marmite. Andolo Moulin, on est gay, Tamako Sobom Vey, on est Mbitsiminga, on est Mbitsiminga, Tamako Sobom Vey, Tamako Beau Ménage, ou Beau Ménage, et d'ailleurs, ils ont fait. Ferme ta gueule, toi! Et Sola,
wajono na ninga sawa wa yema valo sawa bado mfuban wa yema valo sawa bado mfuban mi bot wajono na ninga sawa yena menyo za yena sawa tege tege ninga papier. Et cela retient la date d'aujourd'hui. Écrivez la date d'aujourd'hui et l'heure, s'il vous plaît. Mmh. Et cela retient la date d'aujourd'hui. Le gars, ça va là, hein, quand il va te botter. Hey, madame, je crois que tu vas boire les bières dans tout Paris. Tu vas marcher nu dans tout Paris avec tes grosses fesses là où tu me cannes. Mais tu me mets que ma taille au azout. Même à 4 ou 2. Il y a une manière à ce coup, la salade. Jusqu'à elle prend sa mère, vient mettre sur Facebook. Sandra, tu vois souvent les gars savoir de Paris, comment ils marchent avec leur femme. Tu vois, et sous la queue, elle peut sortir avec mon père. J'ai vu le gars là l'autre jour quand il est parti faire des bisous à sa belle-mère. Non, c'est là où j'ai encore confirmé la dignité des gars sawa. Le gars ne voulait même pas qu'on filme, pas le film. Le gars seulement fait bisous comme ça là. Mmh. Et cela, retiens la date d'aujourd'hui et l'heure. Je te dis que dès que le gars là va avoir la carte de 10 ans, il va te laisser dans la maison là. Dans ta saleté. Dans ton... avec ces deux immeubles. Tu crois que l'immeuble, c'est quoi? Tu crois que l'immeuble, c'est la fin du monde parce que tu as deux immeubles, maman a deux immeubles, maman a deux immeubles. Va d'abord laver ta face. Sandra, le problème, c'est que le gars même, ce n'est pas un gars qui sort dans une famille pauvre. Et ma maison, hein? Tu comprends, non? Oui. Donc, sur la plante, tu construis même 10 immeubles pour impressionner son gars. Ah oui, papa. Attends, on impressionne les gens avec les immeubles. Non, on va impressionner les gens avec les immeubles. Adama, les immeubles inachevés. Maman a deux immeubles. Moi, je suis maman a deux immeubles. Mais Bimenou est lent. Allô, Sandra. Tegue, quelqu'un entre Françoise Emmanuel. Allô? Oui. Oui, moi j'appelle, je veux faire passer le message à la milliardaire pour que ça puisse arriver chez le compresseur. Oui. Parce que moi je suis le Didangué, hein. Je suis le Didangué, je suis né là-bas. Sa secrétaire, c'est ta secrétaire. Non, parce que je ne pourrais pas avoir compresseur, c'est pour lui dire vraiment merci. Oui. Je voulais dire merci d'être passé à Didangué parce que je suis née là-bas, je connais ce petit coin-là. D'accord. Et c'est quand tu es là-bas à Didangué, je vous dis franchement, la prison, ce qu'elle a fait à Didangué, c'était vraiment, quand j'ai vu ça, ça m'a fait couler les larmes. Aïe! Parce que ce petit coin de Didangué, il y a de tout là-bas. Il y a les Bami, il y a les Bassa, il y a les Ambassa, il y a tout là-bas. Et c'est un coin qui est tellement pauvre. Pauvre de chez pauvre. Ben, c'est pour ça qu'elle a choisi là-bas. Le Cameroun, il y avait encore les femmes qui avaient encore les salaires de 10 euros là-bas. C'est pour ça qu'elle a choisi là-bas. Vous croyez qu'elle est belle? Je me pose même la question, comment nos parents faisaient pour s'en sortir dans ce petit coin? Quand j'ai vu qu'on peut sortir à Didangué, ben j'ai contribué hein, dans sa cagnotte. Si j'avais su qu'elle partait à Didangué, j'aurais donné plus. Ce qu'elle a fait là-bas, ça dépasse même ce qu'elle a fait dans la prison à Edir. Il y a des fois, il manque le courant à Didangué. Les gens font 3 semaines. Il n'y a pas de courant dans ce coin. Même au Cameroun. Donc, aussi faire connaître parce que, madame, je te coupe pas. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Didangué. Moi, je connais Didangué parce que ma tante habitait là-bas. Moi, je suis de père Yambassa, donc je suis de Yambassa du côté de mon papa. C'est ma maman qui est Douala. Donc, j'ai la petite soeur de ma mère qui a vécu là-bas pendant longtemps, avec ses enfants qui sont encore là-bas. Donc, c'est un coin où beaucoup de gens ne connaissaient pas ça. Beaucoup franchement, moi, ce qu'elle a fait là-bas, ça dépasse même la prison d'Edea, franchement. Parce que donc Dolan Itumba n'est pas... Elle n'est pas de courant là-bas, hein? Elle réussit déjà à être... Elle n'est pas Douala, elle n'est pas Sawa. Les gens veulent deux fois, hein? Franchement, je ne sais pas.
C'est parfait, bon. Madame, il n'y a pas de souci, je vais transmettre le midi. Il faudra lui dire, parce qu'il y avait mon frère qui était même, j'ai appelé mon frère, je lui ai dit, il faut l'assister, j'ai ma star qui est au Cameroun, c'était mon frère, il est le numéro 2 de l'évêque Aïdia, c'est lui qui était là. D'accord. Ah, ok. Merci. Je peux vous dire que franchement, compresseur, à part le sabotage que je vois là dans les réseaux sociaux, moi, voir compresseur Aïdia, pour moi, c'était la totale, quoi. Et moi, c'est qu'elle a aussi la Madame, Françoise Emmanuel, les gens qui ne connaissent pas l'histoire de Compressor, Compressor est entré sur Facebook pour sauver les gens, pour défendre les gens qui étaient acculés, qui étaient traumatisés. Compressor est venu donner la joie dans le cœur des gens qui avaient peur de s'afficher sur Facebook. Facebook. Les gens étaient traumatisés sur Facebook. C'est l'histoire de Compressor. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Compressor sur Facebook, Facebook a à un moment été le genre que les il faut dire que les gens étaient, pas que les gens, l'initiale était au bord du suicide. Il faut rappeler ça aux gens. Moi, je prends l'exemple de mon frère d'Edo, Philippe Saka, jusqu'à son mariage, j'ai fini complètement. Ah oui, il y a eu des dégâts sur Facebook. Et Compressor est venu comme une lumière, comme un sauveur, quoi. Pour venir aider les gens que mince. C'est quoi que nous tous, on a vu une plateforme où tu vas voir, tu tapes, tu vois ta soeur, ton frère, ton camarade de classe. Et maintenant, c'est devenu l'histoire que tout le monde fuit. C'est là où Compressor a fait son entrée. En fait, Compressor est venu comme l'ange. Tu sais quand l'ange vient te sauver. Compressor est venu. C'est là qu'il a amené sur Facebook. Voilà. La prochaine fois qu'elle va sur la cagnotte, franchement, c'est la voir. Merci pour les étoiles. J'ai appelé tous ces gens, tous nos compatriotes qui sont aussi. Il y a Compressor qui a distingué. Tout le monde était en train de la regarder là-bas. J'ai revu mon enfance, j'ai dit purée, elle est arrivée à distinguer. Vraiment, c'est. Et toutes les bénédictions qu'elle a eues là-bas, des mamans, de la maman aveugle, là, ça, c'est vraiment, ça venait. Le merci, là, venait du fond de leur cœur, quoi. Vous êtes sûr? Ça veut rien la faire. On m'a dit que maintenant, il nous manque plus la lumière, hein. S'il nous manque la lumière, on passe seulement à la paroisse avec nos téléphones, on charge là-bas, on rentre chez nous. J'ai dit, ben, c'est beaucoup. Elle ne vous met pas la lumière? Elle est un ange. Elle ne vous met pas la lumière? Disangué, ça dépasse même la prison des dés, hein. Franchement, il faut connaître Disangué, hein. Il faut connaître, hein. Pour le savoir. Que ce soit à Dizangué, à Téa ou là, elle va partir peut-être demain ou après-demain auprès de ses orphelins. En fait, c'est ce que nos élites, les élites de chez nous, auraient dû faire ou pourraient faire. Mais une personne comme Compressor, qu'on dit tous les jours, elle n'a rien, elle n'est rien, elle n'a pas ceci, elle a faim, elle a fait ceci. Elle a faim. On lui donne tous les qualificatifs péjoratifs. Toi-même, tu as dit ça. Mais c'est elle. Mais arrêtez de mettre les têtes de mort, là. On insulte quelqu'un ici, là. Pourquoi vous mettez les têtes de mort? Tu n'as pas encore pleuré. Pourquoi vous êtes comme ça? Mettez les cœurs, mes gens. Mettez les cœurs. Allez, le carré. Moi, là-bas, je m'avais vérifié ça dans l'ordinateur. T'inquiète. Donc, Compressor respecte. Compressor a fait quelque chose que normalement les élites de chez nous, les élites de ces communes-là, la commune de Déa, la commune de Dizangué et j'en passe, ce sont les élites qui ont normalement fait. Et Compressor, elle vient là, comme vous avez dit tantôt, elle vient là comme un sauveur, comme une déesse, je ne sais pas. On peut lécher le cul de quelqu'un comme ça là. Mais comme il y a toujours des gens qui sont. C'est-à-dire, qui ont un mauvais esprit en eux. Parce que le mauvais esprit est celui-là qui ne voit pas. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Quand quelqu'un n'aime pas quelqu'un, même quand la personne fait du bien, la personne va toujours trouver quelque chose à crédit. Même Madame Françoise qui est montée là, moi je vous dis déjà merci parce que vous êtes une personne. Déjà, le petit témoignage de 2 minutes que vous venez de faire, ça.
c'est pour moi, ça me va, c'est chaud, ça me donne le, c'est-à-dire ça me fait du bien. Regarde comment tu bégayes. Certaines personnes, regarde comment tu bégayes. Les bienfaits que les gens comme Compressor font. On est tombé sur le direct comme un de l'homme, on était en train de réclamer tout ça tout à l'heure. Qu'au lieu d'encourager, au lieu d'encourager ce qu'elle a fait, parce que c'est inédit, ce n'est pas à elle-même de le faire. C'est aux autorités camerounaises de mettre l'électricité dans les communes. C'est aux autorités camerounaises d'enlever les populations dans la pauvreté. Mais les blogueuses telles que Compressor se lèvent, elles s'activent et elles et ses sympathisants se lèvent et font quelque chose d'inédit, comme celle qu'ils ont fait là. Il y a quand même des gens qui trouvent à redire. Donc, madame, moi, je vous dis sincèrement merci. Merci pour vous que... Quand je parle beaucoup plus de Dizaret, parce que je connais le coin. C'est pour ça que je parle pas de Dizaret. Je parle de Dizaret parce que je connais le coin et je connais la galère que les habitants de Dizaret ont. Bon, oui, Dizaret a une diaspora, mais comme on dit souvent, nos parents étaient si pauvres que dès qu'on réussit, on vient élever nos parents à Dizaret, on les amène en ville et on oublie qu'on était de ce côté. C'est ça le problème de Dizaret. Bon, maintenant, le fait qu'elle est passée là-bas, peut-être ça va aussi tiquer dans nos têtes que merde. Si une étrangère n'a pas fait quelque chose là-bas, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Oui, exactement. Moi, j'ai compris le message de la dame, ma milliardaire. Tu sais, par exemple, nous qui sommes ici en Bain. Même milliardaire, ma sœur. Quand le yaourt, tous les jours, on jette, ça se périme dans nos frigos. Le yaourt, pour nous qui ont la chance d'être en Bain, ce n'est pas pareil comme ceux qui sont au Cameroun. Exactement. Donc, pour te dire que même si ma pépé a donné 1000 sacs à la prison de Déa, elle n'a que donné 3 à Dizaret. C'est comme si elle a donné une tonne. Oui. Parce que c'est un coin déjà qui est oublié. Et c'est un coin où les gens ne viennent pas beaucoup, ils ne voient pas beaucoup d'aide là-bas. Et les gens souffrent énormément là-bas. Donc, c'est un espoir que ma pépé est venue donner aux gens de Dizaret. Aujourd'hui, les gens savent qu'il y a un coin Dizaret, tout. Les gens, aujourd'hui, les gens ne vont plus aller à Douala, partout. Là, ils vont maintenant aller aussi vers là. Oui. Donc, je veux dire merci à cette dame qui est venue faire son témoignage. Mais sache que Compressor, c'est pas celle qu'on décrit sur Facebook. C'est faux. Tous les noms qu'on a donnés sur Facebook, c'est parce que Compressor a pris sa veste de Compressor. Parce que Compressor, le nom de Compressor, là, ce n'est pas Facebook qui lui a donné ça. Mais elle est Compressor parce qu'elle roule déjà en Compressor. Attention. Et la voiture est où? Et je vais vous dire, petit à ton Compressor est la première blogueuse qui roule en voiture. Parce que le reste là, c'est les yé-yé. Ce qu'on appelle les yé-yé en langage camerounais. Les yé-yé. Et Compressor reste la plus belle blogueuse. C'est moi qui dis ça. Il y a un Compressor, elle porte les mini-jupes, elle porte les culottes, elle porte les robes, elle porte les pantalons, elle porte le genre de robe que tu la robe est jusqu'aux cuisses. Mais il y en a là qui ne peuvent pas mettre les mini-jupes, qui ne peuvent pas mettre les petites robes, qui ne peuvent rien mettre. On connaît qui est qui sur Meta. On connaît qu'il y en a là que, on a dit que ma, prends le pantalon, si mets ça. Hey, maman, tu vas voir les voiraques. Il y en a un qui est. Même avec tout l'argent. La personne, c'est le profil, c'est qui a mis les pieds de moi. Moi, quand je bloque, je ne sais pas débloquer. Ne venez pas dire que de l'aide, il y en a. Tu ignores qui sont derrière. Profil de la tête cassée. Parce que moi, Michel, tu connais le profil ici? Dis un peu le nom, là. Je ne vois pas en intégralité. On ne peut pas. Non, après, Maman, tu es dans la team, tu ne connais pas le nom des gens. En tout cas, je ne suis pas de la TKC, donc les TKC vont dire s'ils te connaissent. Moi, je ne connais pas. Ah, comment tu dis que tu n'es pas la TKC? Quand on venait de là. Je ne veux pas faire comme ma tête. De l'événement, tu n'as pas seulement bien compris.
Moi, je ne comprends moi rien. Je vous ai dit que la seule chose que je comprends, c'est le Douala. Donc, je veux bloquer le conflit parce que c'est le conflit qui a mis la tête de mort. Donc, je bloque. Au revoir. On a dit que je bloque. Si que n'est pas de traité café. Ok, ça marche. Je apporter mon témoignage pour distinguer parce que, franchement, ce qu'elle a fait là-bas. Comment dire, la bonne charité commence par toi-même. Hein. Moi, je. Ouais, je merci ma soeur, merci de reconnaître parce que merci beaucoup ma soeur de reconnaître. Voilà, moi je connais le coin, comme j'ai dit, j'ai contribué, mais si elle avait parlé qu'elle partait à Dizangué, j'aurais donné plus, mais bon après il y aura d'autres dons. Oui, d'autres dons. Ouais, ce qu'elle a fait à Dizangué, franchement pour moi c'est waouh. C'est waouh. Parce que nous-mêmes, qui sommes des Dizangué, on est incapable d'aller donner ce qu'elle a fait là-bas. C'est beaucoup, hein? C'est nous qui te remercions, hein, si je peux te tutoyer. C'est nous qui te remercions parce que. De toute façon, j'avais dit qu'un jour, quand elle fera le live, je monterai lui dire merci qu'on fait ça, franchement. Parce que moi, ça m'a fait couler les larmes. J'ai dit merde! J'ai revu mon enfance et tout, je suis restée comme ça, j'ai dit c'est pas possible. Mais bon. Mion de temps en temps avoir des témoignages comme ça qui font chaud. J'ai revu mon enfance se défiler, j'ai revu la paroisse, j'ai revu tout, j'ai dit purée. Pourquoi qu'on peut ça n'a pas parlé que Pata Dizangué? Double BS, arrête de dire que tu es une blogueuse. Moi, j'étais déjà dit ça. Arrête de dire que tu es une blogueuse. Tu n'es pas une blogueuse. Tu es une influenceuse, une impacteuse. Oh, oh, maman, elle impacte sur quoi? Regarde ses joues. Venez te merci. Maman, même les soucis. Je te merci, hein, parce que normalement, mettre la lumière à Dizangué, c'était pas elle. On dit que le soleil là. On dit que le soleil là. Il y a quelqu'un qui écrit que le soleil là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regarde-moi sa bouche. Franchement, le reste, je regarde pas. Moi, je parle de Dizangué, quoi. Merci. Au revoir. Bisous depuis ta. Bonsoir, je te claque les bisous depuis ta position. Il y aura du sang. Oh, il y aura du sang. Tu ne seras pas, il sera. C'est que je ne veux pas. Ça va. Oui, voyons, mon grand.
suis vraiment fière de toi maintenant. Là, je peux t'écouter. Tu es revenue à la raison. Non, j'étais toujours à la raison. C'est vous qui ne m'avez pas compris. Ouais, j'étais toujours à la raison. Ta terre est sale. Je demande, ceux qui décryptent les dons là, ils ont donné quoi dedans? Elle a construit deux immeubles. Il faut la bien nous dire qu'elle a construit les dons. Jusqu'à monter les dons petits carreaux, juste à dire que les petits dons, il y avait l'eau dedans. Il ne donne rien. Nadège Baba, si c'est Nadège qui, si c'est Nadège qui décrypte les dons comme si elle a. Mais bon, il dit qu'il n'y a pas de Nadège Baba. Allez, si c'est le framponnage. Nadège, son petit nom même, c'est quoi même? Bobo vous dit. Maman. Quand on frappe, mon Dieu, le visage, hein. Bobo, ça le dit. Bombo, c'est mauvais mensonge. Bombo, coco, ça, bombo, arrive. Bombo, tu sais qui est mauvais. Waba, 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 yo. Pour Wabmendim, Anima, Bé, Madonna, Anima, Yang, Anima, Aïe. Je suis fier de Diamant Bleu, je sais même pas. Je suis fier d'elle, je dors tranquille. C'est-à-dire que mon sommeil, donc, c'est tranquille. Attention à la caméra. Oui. J'ai éteint d'abord. Je suis fier de ma diamant bleue. Je monte ici là pour dire que je suis fier de ma diamant bleue. Osu, ayo, diamant bleu. Ayo. Sobo, il faut un peu avant de partir. Il faut que tu... Il y a un sobo aujourd'hui. Et Sola suppliait la lionne de monter dans son direct avec Nancy Kento. Aujourd'hui, là. Ils ont supplié la réconciliation aujourd'hui, fatigué. Elle a le cœur. Nancy était dans le direct comme une sorcière. Elle est devenue laide. Elle est... Qu'elle ne pouvait pas dormir, sinon son mari va bouder. Qui va bouder? Il va d'abord faire quoi? Venir moumou. Voilà. Quand tu laves Nancy, tu vois, non? Il faut laver Nancy avec ton visage, ma belle. Tu comprends? C'est la différence entre moi et toi. Tu me laves dans le noir. Tu laves mon mari dans le noir. Monte ta gueule et comme ça, je vais te traiter. Oui. Parce que tu es dans le noir, on ne voit même pas qui parle de Nancy. Après, tu vas venir parler ici. Je dis, hein, quand vous voulez laver Nancy, là, montrez le visage pour qu'on voit votre gueule. Madame, pour qu'on voit votre gueule. C'est bon, Koucha. Il est le 16 de Facebook. L'aide comme la mort. Parce que la mort, il n'y a plus rien. Oui. Nancy, la race, tous les jours, je veux toujours insulter Nancy. Insultez-moi là. Il l'a joué. Ou sera noisout. Mais noisout. Et si t'as bâton, si tu es baraté, même bafa, même tchar, même quoi. Et si t'as bâton, ici c'est comme ça. C'est quand t'as bâton que ça a le goût. Nancy, Missouli, Lang, Nancy, Lang, Azouk, Nancy, Arabi, Lang, Nancy, Ayani, Lang, Nancy, Zouabouani, Lang, Nancy, Egouali, Lang, Nancy. Ismouli, Lang. Pendant le récent que ce sont tes gens, mais excuse-moi, je suis débordée. Sandra Rose, il faut me donner le nom. Sandra Rose, viens me donner le nom de cette femme. Et cela, rose africaine et le nom du jardin. C'est des sorciers. De sorciers, ils sont devenus laides comme quoi. Maman Nancy est devenue, quand Nancy était avec compresseur, elle était vraiment. Mais maintenant, Nancy est devenue laide. Maman! J'ai eu peur, c'est pour elle que je suis mort. Maman, regardez-vous. Madame, quand tu veux dire que Nancy bien envoie. Quand tu veux dire que Nancy est laide, montre ta gueule. Oui. Quand tu veux dire que Nancy est laide. Depuis que je suis parti chez Compresseur, j'ai évolué. Compresseur à quoi? Hein? Grenda, à quoi? Sortez du noir, madame. Il faut sortir du noir pour qu'on voit ta gueule.
m'bon boali langazout, m'bon sot e nyewe, e isiewe, m'bon sot avori lang, andeli lang. Tu crois que c'est toi seul qui sais, maman? Je sais pas ce que ça veut dire, mais je n'ajouterai que c'est une face de babouin mal torchée. Ah oui, oui, oui. Une face de babouin mal torchée. Tu te caches pourquoi? Si tu es une femme, que tu t'assumes. Maman, tu allais monter ta gueule. On allait faire la comparaison. Parce que quelqu'un qui est dans le noir, ça veut dire que le noir t'a envahi. C'est ça. Le noir t'a envahi. Tu as honte même de t'afficher. Tu viens insulter Nancy dans le noir. Je vais chercher ton nom. Et quand je vais chercher ton nom là, je vais t'afficher. Et tu vas assumer de tes actes. Je vais chercher toute ta famille. Tu as compris? Quand je vais trouver ton nom, je vais afficher toute ta famille. Ne dis pas que tu ne me connais pas. Que tu m'as jamais insulté. Parce que la vidéo là, c'est pour ça que j'envoie ça ici. C'est pour ça que j'envoie ça ici là. Je ne suis pas bête. J'enregistre ça ici. Ta voix entre là. Je veux mettre toute ta famille. On me l'a dit, mais il l'a. Mais il faut que je ne me barre pas. Parce qu'il l'a dit, il n'est pas avant et en den. Et minal et bitum, bien nous rouan, mais là. Bitum, bien nous rouan, mais là. On ne peut pas avoir le genre de visage ici. Maman, je suis belle du pied jusqu'à la tête. Et ça ne chauffe pas. Je confirme. Je suis belle du pied. Le porc ne se dit pas gras. Mais moi, Nancy Beauté Beauty, je me dis belle. Dis à compression. Moi, j'ai enlevé le filtre. Hein. Je n'y mets pas la lumière. J'ai enlevé le filtre. Je vous lance. Dis à Ngrenga d'enlever le filtre. Tu vois ce qui est sur ta soi-disant star là. Il sort il lance. Et ma femme n'a pas besoin de deux prêtres pour la bénir. Je vais prendre ça à la poubelle. Je vais mettre ça dehors. Oui, parce qu'il faut faire ça. Et je vais te dire quelque chose. Comment dire, Ngrenga, elle n'a jamais dépassé qui ce soit sur la toile. Non. Elle n'est que le torchon de ce que les gens ont utilisé. Mais Jean-Louis Messant a utilisé sa patronne. Il a jeté. Et Ngrenga est parti prendre. Ah oui. Ah oui, oui. Et moi, j'ai jeté un Ngrenga. Voilà maintenant que vous êtes dessus. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas, madame. Hein? Comme tu as commencé à m'insulter dans cette direct-là, laisse-moi te dire que je vais chercher ta famille. Et toi-même. Je vais chercher ta famille. Et je vais t'afficher. Tu comprends, non? À ça, tu peux me croire sur parole. C'est vous qui connaissez la sorcellerie. Moi, je ne connais pas. Moi, je n'ai pas besoin du prêtre pour me poser les mains. C'est le torchon, hein, le papier hygiénique qui va chercher le prêtre pour lui poser les mains. Moi, là, le prêtre n'a pas besoin. Ma mère m'a béni en partant et en arrivant. Oui. Je n'ai pas besoin d'avoir le prêt. Tata Nancy, je t'appelle partout. Comment tu m'appelles partout, maman? Il y a mon numéro sur mon mi. Pourquoi tu... Avant de s'entendre à John, invite et sur la balle avec tes mamies. Là, on n'expose pas la qualité de mamie. Et sur la balle avec tes mamies. Nancy, lave ton carré. Me carré n'a qu'à action. Me m'aime n'a action. Didi oro. Me m'aime n'a oué à action. Moura belle, mais tout me m'aime. Anamintan. Me m'aime belle, me bosse tout. A qu'à nous le dire, belle, n'a des ombres. Ne me m'aime, moi me belle, moi me belle, me soupap. Angra, ta la, yam. Vous donna ta yam. Me m'aime, ma yam, ito ma ta yam. I am a man.
J'ai travaillé seulement 50 euros aujourd'hui. Quand vraiment c'est dur, quand il n'y a pas d'appel, il l'a zout. Il l'a zout. Il l'a zout. Il l'a zout. Cache-toi, te vois, cache-toi. Quelle est ta caméra? Tourne la caméra. Tourne. Dès que tu tournes, on va voir. Voilà. Je caméra dans la canne, noir, tu dis. Mais pourquoi elle se cache? Pourquoi elle se cache? Elle se cache où? Pourquoi tu te caches? Tu n'as pas honte de cacher, de mettre ta caméra en noir? Tu n'as pas honte? Tu viens insulter une femme qui a le visage? Je vais te sortir du noir. Ça, je t'en fais une promesse. Et ça ne chauffe pas avec moi. Je vais te sortir du noir. Ça, et je veux voir quand tout le monde qui est autour de toi là, s'ils vont te défendre. Ça, je t'en fais une promesse. Je veux te sortir du noir. Le saleté, voilà, Ndolo saleté me carono que la action me fait me nouer 10 euros au coup de ma 7 euros 50. Au manque que tanda au paf manas sous au caisse ni ben à mon caisse ni zoué de na à mim one be frite à mobile wedding be 10 à mim mourir mal au brille la nuit en wakan ou 10 ou sans que bitna woum outre n'yon nommé mena carditaya il flou à carfouligny il flou. Yen me bien me can ou nyeu a jona se toba fnya se foto star a Facebook mo a nyaga so no ka kwabre bibi se bina fuma pisto yon nyeu emen a ko kune ndundo e wo a ensemble yine normal e bien so de bine beti yon tonde nyeu emen a kune ndundo sike kinu moro kwen me yon ka kune ndundo a nyo mwan. Je suis dans le direct, mon combat. Je suis là. Bisous. Non, ne descends pas. L'autre seul va descend. Toi, tu restes là. Ma bisous. And I sur la nana meuble. Bien, et bien, il est achevé, il dit, nous avons l'immeuble. Maman a deux immeubles. Maman, j'ai fait mon ménage. Et cela, tu crois qu'avec 1800 euros de ménage, tu ne fais même pas, parce que tu as même dit quelques heures. Quelques heures de ménage, ça veut dire que tu gagnes combien? 500 euros. Et c'est avec 500 euros que tu vas aller construire les immeubles. Viens t'asseoir ici, où il y a ce carbone. Brûlant. Bonsoir. Hey, Thierry, Thierry, toi, donne-nous la voix du combat, Thierry, pardon. Thierry. Bonsoir, Sandra Rose, bonsoir, de la Mion. Bonsoir. Tonton Thierry. Non, c'est Tonton Thierry qui est derrière le profil. Oui. Et cela. Mais bimo no azo do to wa. Ta ka ku wa men ti ma van na we zo quality a membre do to wo. Go bimo no azo ku wa men ti e men changa so an men ga bele e kla media. O fo zo quality a membre no zo une je
Quand tu dis que les fesses d'une autre femme sentent, ça veut dire que tu as mop le nyere de Ndolo Moulema. C'est ça. Ah oui, oui, tu ne peux pas dire que le nyere d'une femme sent si toi-même, tu n'es pas entré dedans. Ça veut dire que tu as mop ça. Et c'est pour ça que tu sais que ça sent. Sinon, tu ne peux pas avoir le courage. C'est pour ça qu'on dit que comment on appelle ça? Nous, les étangs là, les étangs ont tellement... comment on appelle ça? Je comprends pourquoi vous suivez compresseur. Je comprends vraiment. Parce que vous n'avez pas autre chose à dire qu'en bas. En bas du pantalon. C'est la même chose que bouche de chien, c'est pareil. En bas de pantalon. Vous n'êtes même pas vous du tout, vous êtes les femmes élevées et sages, mais vous dites que les conneries, vous parlez que des bêtises, vous insultez que en bas du pantalon, on sent que les gens qui n'étaient pas à l'école, les gens qui n'avaient pas, qui n'ont pas le niveau intellectuel. Même moi qui n'étais pas allé à l'école, je ne peux pas me mettre à insulter une autre femme jusqu'à, si toi-même, je prends ce que tu me dis, je te mets avec, et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Peggy la cochonne. Elle est là parce qu'elle veut qu'on anime son direct. Et tout ça, ce sont les états. Kento, diamant blanc, attends. Kento, sors de la fenêtre, là, entre dans le direct comme cela a fait. Tu voulais tout à l'heure qu'on insulte ma Yamson. Viens maintenant écouter comment on va vous laver. Chaque fois que vous faites la même chose, on vous lave. Kento, on est tout. On ne te gère plus. On est tout. On t'a rendu grande. On ne te gère plus. C'est un direct qu'on m'a envoyé. Moi, je ne la suis pas. Si tu ne vois pas depuis, je cherchais à envoyer dans d'autres téléphones pour les suivre. C'est un direct qu'on m'a envoyé. Donc, moi, je ne les suis pas. Elle voit Kento partout. Hein, tellement que les lunettes qui sont posées sur ses yeux-là, celle-ci. Elle voit Kento partout. Elle dit, Kento, entre. On te dit qu'elle peut prendre mon temps d'entrer dans ton direct. Si j'entre, je t'insulte propre. C'est ça. Je t'insulte correctement et bien. À notre tour, la Piggy la cochonne et puis l'autre là. Venez dans notre direct. Venez, on vous invite. Sortez de votre fenêtre. Venez. Entrez si vous êtes capable. Entrez si vous êtes capable. Ça fait deux directs qu'elle fait sur vous. Ah, la Roupéro, la Piggy la cochonne. Allez-y. Ok. Donc, c'est elle qui s'appelle Diamant Bleu. Non, je veux le profil qui était avant qu'elle. Le profil qui était avant qu'elle, qui est venu insulter Ndolo Moulema, qui est venu m'insulter avant qu'elle. C'est maintenant la sorcellerie, Kento, que vous voyez là. J'ai adoré ces maintenant la sorcellerie. Et ce mois-là, elle est belle. T'as qu'à que tout le monde. Il joue une mine à l'amitié, même de ses bijoux, bijoux. Diamant Bleu, il peut m'énerver, il dit, tout le monde devient zing zing. Diamant Bleu vous rend folle.
On ne te retourne plus. Et voir Royal. Et parce que vous savez, est-ce que je vous le gère? C'est parce que moi je ne vous gère pas. Va apprendre à te laver. Les assiettes, les filles. Écoute, moi je ne vous gère pas. Comme je vous gère ce soir-là, je ne vous gère plus. Ça veut dire que quand on me dit que vous m'avez insulté, je prends Gossa, je mets par terre, je lave propre et ça ne chauffe pas. Donne à moutarde, bébé. Mets pas à moutarde. Je lave propre et ça ne chauffe pas. Tu comprends, non? Comme moi, vous me lavez là, tu dis que je suis partie à la sorcellerie. Maman, c'est ta patronne qu'on va mettre les poser les mains sur la tête. Moi, un prêtre ne m'a jamais posé les mains sur la tête. Quand je veux quelque chose le matin, Dieu, je mets mes pieds à genoux. J'ai dit, je mets mes pieds à genoux. Dieu me donne. Tu me donnes, non? Je te mets dessus. Dieu me donne, tu as compris, non? C'est pas pour rien que M. Bessard l'a appelé la maudite, hein? Ah, c'est pas pour rien que si son propre frère l'appelle la maudite. C'est pour ça qu'elle est partie, et son frère dit qu'elle va voir les prêtres. C'est elle qui va voir les prêtres, c'est pas moi. Tu as compris? Quand tu n'as rien à dire sur moi, il faut aller au Koukousso et il boit la nouille au mbou, sur noisout, au de canon oise ma tête. Tu dis que tu ne me gères pas parce que tu crois que tu peux me gérer, toi. Tu ne peux pas me gérer. Sors de ton faux profit, tu me gères. Tu vois ce que je vais te montrer. Ma yolède pour poigner l'interni. Ma yolède là, pour poigner l'interni. Ma olène, m'gwaditon, m'gwaditon, asse, tu as compris, non? Moi, je ne suis pas dans vos conneries là. Je ne suis pas là. Ndole Mitumba. Toi qui as le ventre comme le beri-beri. Hein? C'est toi qui navigue partout. Moi, je navigue. Je navigue pour suivre votre putain de merde de direct. Là, il fallait que j'envoie ça au moins dans 3 téléphones. Merci. Dans 3 téléphones. Tu dis que Nancy, vous ne me gérez pas. Vous pouvez me gérer. C'est de l'homme qui est votre moins cher. Vous ne pouvez pas me gérer. Personne ne me vaut. Ah oui, parce que moi, je travaille. Et je vous montre quand je pars au travail. Et je suis une chef d'entreprise. Moi, je ne suis pas venu en France accompagner les gens. Chef d'entreprise, tu vas voir, je vais te montrer comment je m'en vais dresser mes lits, me faire mes chambres d'hôtes. Ah oui, je suis en Côte d'Azur. J'ai dimanche là, 7h, je prends le train. 7h, je prends le train. Parce que notre entreprise ne peut pas rester fermée. Tu as compris? Tu peux me gérer? Hein? Sur Facebook, tu montres ton gros ventre, ta saleté, ton visage crasseux. Ouais, une femme qui sent la sueur qui vient à mi. Tu sens la sueur, tu n'as même pas. Saleté, cela dit que c'est à cause de Facebook qu'elle avait déjà ses boutons. Tu sais, que les boutons, même pas boutons. De la regarder, dit que sur la pardon, les boutons, s'ils ne sont pas partis, laisse. Une femme qui a pris place avec les diamants bleus posés sur sa tête. Et dit que, même voici, ça m'hydrate, mais diamants bleus posés sur sa tête. Une femme qui lave le visage avec les urines. Il vous, il tombe dans le haut, nana, mais t'en es toi, tu as pour les mourir, nana, mais t'en es. Tu mourras maintenant, il faut douleur. Tu mourras maintenant, ça, à tout pour les hauts. Go to vos soins, Angouane Aminga, Amangouane Ton, go to vos soins, ou à ce témoignement. Wa 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 w
J'ai dit bien jamais. J'ai dit jamais j'ai insulté une femme. J'ai osé insulter une femme. Jamais. Oh, j'ai l'eau sur les mains. Jamais j'ai insulté une femme. Pour caméra, la boucle au moyen, aussi mes caméras au sol. Grâce à ce que tu m'as mis à la caméra, on a même des clients, on a même des clients, on a caméra, on a même des grâce à ce jusqu'à. Tu es grâce, tu dis qu'elle montre son visage, toi-même montre ta part. Montre ta part. Mmh. On voit. Avec ses sourcils. Toi-même. Eh, non, c'est celle qui est en bas là, qui est dans l'obscurité là. Ah. Qui insulte ma soeur. Toi-même, montre ton visage. On voit. Mmh. Tu viens insulter. Nguan Betiso, il te nyang mbel. Mbel, il a nguan mbel. Il était tout ce top de yazisem. Il mingo moi. Azisem, moi nyang. Wa, gamina wo swan. Zeyemi, oui. Zeyemi, oui. C'est parce que j'ai l'eau sur les mains. Hmm. Tu n'arrives pas. Il y a l'eau sur le truc. Donne-moi l'eau, tu. Zayemi, oui. Bi boy de bien. Vous venez vous mettre pour insulter une femme. Vous n'avez même pas honte. Pour une autre femme, Bassa. Mm. Une femme Bassa, Nancy, elle insulte une dame qu'elle-même elle est mariée. Finalement, les oignons. Hmm? Non, les oignons, on va couper. Donne-moi le truc, ma bébé. La mettez à main, Jane, on laisse un gaz de femme Bassa. J'imagine que c'est bas. J'imagine un peu comment le bas. Tu imagines? Non, j'imagine un peu comment le bas peut être. Tu imagines? Je t'ai dit, Mad, j'ai même honte pour eux. Pardon, qu'on va regarder ma yam soeur, comment elle est laide. Je suis jusqu'à ce que. J'ai dit que, ouais, elle sera, il faut que je lâche le direct. J'allais me suicider. C'est le putain qui se trouve dans la charité. Ah oui! Tu peux te suicider, Ndolam, il y en a. Oui. Pédis la cochonne. Pédis la cochonne. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison à faire. Même un aveugle voit. Même un aveugle voit ça. Elle est grâce à la. Là, un aveugle ne voit pas. Tu tombes au tombeau de Ramsès, de elle, que c'est le Ramsès. Elle est sortie pour se placer, ça a gâté tout alors. J'ai dit, même sa mère, tu vois, tu as même gagné le nuit. Mais c'est ça qui m'a monté chez toi. C'est comme si c'était la Ramsès II. La momie de sortie de la mine d'Égypte. Oui, je crois. Toi, Rupero, je t'ai dit que montre-moi ton mari pour que moi je continue avec toi. Quand tu vas me montrer ton mari, toi-même là, tu ne donnes même pas envie à un homme. Quand un homme te voit là, l'homme ne bande pas. L'homme ne bande pas. Tu es moche comme tout. Hein? L'homme ne bande pas. J'ai dit que ton mari veut te voir. Et cela va vous baigner. À mon bac à carna. Quand on va voir, on va voir. Mais c'est maintenant un gars bien. À mon tour, il y a une nièce. Il y a même sa mère. Il y a une nièce. Il y a une femme. Il y a une femme.
Bon, là, Marthe, vous avez écouté, non? Quand je veux commencer à faire le sale, ne dites pas que Nancy est ceci et cela. Je veux le nom de la dame qui est entrée dans le noir. Dans le noir. Avant celle qui avant le celle qui s'appelle le diamant bleu là. Je veux le nom de cette femme-là. Celle qui est entrée et celle-là, celle qui est venue m'insulter, c'est son nom que je veux. C'est son nom que je veux. Moi, je dis, moi, je suis pas. C'est celle-là que je veux. Parce que une fois que je vais avoir son nom, celle qui était dans le noir, qui insultait que Nancy Bilan, tout ça, c'est celle-là que je veux. Je veux son nom. Ou le nom de sa page. Comme elle est dans le noir, on l'a demandé d'arranger bien la caméra. Je veux son nom parce que je vais afficher toute sa famille. Tout le monde que je veux trouver sur sa page, je vais afficher. Allez. Les gens, vous venez sur Facebook, on va vous fabriquer. Venez bien. On va vous fabriquer. C'est ça qui est ça. Ça ne chauffe pas. Donc, moi, je vais vous laisser. Je suis occupée. Là, je dois pas préparer. Mon mari a décidé qu'il doit préparer la nourriture de, pour ses collègues demain midi. Donc, je suis à la cuisine. Je dois faire le poisson braisé demain matin pour amener à midi à son patron et à ses collègues. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je... C'est pour ça que vous étiez en train de me voir faire le... Là, j'ai fini de faire le poisson assaisonné, mettre au frigo. Maintenant, il faut que je finisse de couper les plantains, je mets au frigo aussi, comme ça, demain matin, je me mets à faire frire ça. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous fais de gros bisous. Allez, à plus. Trouvez-moi le nom de la dame là. Le nom de la dame qui venait insulter Nancy Bilan, Nancy, ceci. C'est elle que je veux. C'est elle. Parce que je vais appuyer et je vais voir si leur patronne peut venir les défendre. Oui, oui, parce que quand je veux les publier et je veux voir si leur patronne peut venir les défendre, c'est ça qui est ça. Allez, ciao. Bonne soirée à tous.